quiere. Bonjour à toi, mon ami. Au revoir. Comment va notre courageuse veuve? Bien, comme tu peux le voir. De petites victoires et des joies comme celle-ci, nous les prenons où nous le pouvons. Bayek, Flavius est venu ici. Mais ce n'est pas le pire. Les mères et les épouses des malades du temple ne peuvent que se lamenter dans les rues. On ne leur permet pas d'aller voir leurs proches. Depuis que Flavius est venu, ça n'est pas une coïncidence. Non. Peux-tu aller voir mon ami Krios? Il est porteur d'eau au temple. Je dois aller voir la prêtresse Melita. Elle fait trop de zèle, mais je refuse de croire qu'elle s'en prend aux malades et aux mourants. Méfie-toi. Je reviendrai après avoir parlé à Krios. Avec le lit, qu'est-ce que je dis? Aide-moi, je t'en prie, mon amour pour Flavius va me consumer. Personne ne peut me satisfaire, ni toi, personne à part le proconsul de Cyrène. Oh! To Altimok, Galite Ivi! Vatel, voilà! Mors! Ego ludere solida! Udinate, udinate, si belli! Si te! E tu! E non me! E dabo, vol! Ibi ave! Ibi manere! Ego ascenda a Ibi dolore! Krios, qu'est-ce que Flavius t'a fait subir? Réveille-toi! Où est Flavius? Où est-il? Prends ton envol, corbeau! Notre vie gâchée par ce vautour de Flavius. Des murmures? Des murmures? Hein? Melita, la vipère du bâton! La prêtresse? Non! Non, Seigneur Flavius! Pitié! Morse!
Arrête-toi, écoute-moi. Sans l'amour du grand Flavius, c'est la mort qui m'attend. Je tuerai ma famille pour une nuit avec le lion. Qu'est-ce que je dis? Aide-moi. La pauvre femme. Flavius l'a éloignée de son mari et de son enfant. Écoute, écoute. Wow. Praxila! Praxila! Arrête de brailler. Les malades ont besoin de repos. Praxila! D'accord, d'accord. Parle moins fort. Elle est partie voir la prêtresse. Non! La prêtresse! Un serpent dans la pomme! Elle les a. Elle les garde cachés. Des murmures et des secrets. Des secrets voilés. Son sanctuaire des murmures! C'est toi, Bayek, qui l'a mis dans cet état? Est-ce que Praxila t'a dit où elle allait? Dans les montagnes, mais... Occupe-toi de lui, je te le confie. Je vais au sanctuaire des murmures. Arrête-toi, écoute-moi. Sans l'amour du grand Flavius, c'est la mort qui m'attend. Je tuerai ma famille pour une nuit avec le lion. Qu'est-ce que je dis? Aide-moi, je t'en prie. Mon amour pour Flavius va me consumer. Carabiné, on dit. À tout la moindre idée de la valeur de cet homme. Ils attaquent à vue par ici. Voilà.
un secret dans les montagnes. Pourvu qu'il ne soit rien arrivé à Praxila. Ne changera rien. Semper Flavio. Pas attirer l'attention ici. La prêtresse, elle a torturé ces innocents. Si je le pouvais, je réduirais cet endroit en cendres. Un mal terrible règne ici, Bayek. J'ai peur pour l'avenir de la Cyrénaïque. Mélita était folle. Cette relique, celle que Flavius a utilisée à la ferme, il s'en est servi ici. En voyant Krios, je l'ai su. Je l'ai senti enfoncer ses griffes dans mon esprit. Elle est malsaine et insidieuse comme un parasite. Elle a le pouvoir de contrôler les esprits et de faire de nous des esclaves. Notre sort nous appartient, Praxila. Et nous lutterons toujours pour ça.
Vita ne pouvait être sauvée. Après ce qu'elle a fait, je lui aurais tranché la gorge moi-même. Merci. Pour moi. Pour Balagrae. Je n'aurais jamais osé demander autant. C'est pour ça que je l'offre librement. Tant que la liberté a encore un sens. Tu n'en as jamais assez de laisser tant de gens derrière toi? Une part de moi. Oui. Mais je n'ai jamais eu le choix. Et des gens, j'en rencontre d'autres. Ta terre ne mourra pas, Praxila. Tu es sa guérisseuse. Sa protectrice. Son Medjay. Il est temps désormais de laisser cette folie derrière nous, Bayek de Siwa. Pak et des noncs! T'as dit un nonc! Je vais devoir être prudent. Thank you.
Arrêtez! Voilà! Darby's hook! Quiz, quizzes! Je dois l'honorer, Flavius, notre chef, notre libérateur, le Lion. Je vais peindre ton nom, de la République, d'ici jusqu'à Rome. Chacun connaîtra le nom de Flavius. Flavius est un saint, le doré, le majestueux, le très bienveillant. Tous doivent le connaître. Flavius, Flavius! Il est le dieu qui marche parmi nous. Ses pieds vont tracer le route jusqu'à Rome. Merci. Et tous ses opposants. Ils ne sont pas fous, ils sont sous. Ta mère m'a envoyé te chercher. Parisette, tu es Bayek de Siwar. Par tous les dieux. Fais-moi sortir et je t'aiderai à tuer ces vautours de Romain. Ce chien est pour moi. Thank you.
Madame Doublex. Solide et Ivy. C'est calme, des graffitis. Ferme d'où tu viens. J'ai vu ce qu'a fait Flavius. J'ai vu ce qu'il a fait à notre peuple. Ma mère, tu l'as vue? Elle va bien? Oui. Praxila l'a emmenée à Balagrae. Merci, Bayek. Même loin de la terre de nos ancêtres, tu nous protèges. Pourquoi les Romains t'ont amené ici? Pour assouvir leur soif de guerre et de conquête. Nous travaillons pour eux. Nous chargeons les balistes avec une substance brûlante qui dévaste tout. C'est Vitruvius, l'ingénieur romain de l'Aqueduc qui a inventé le procédé. Vitruvius? Je le connais. Je ne le croyais pas capable de créer une chose pareille. Nous voilà libres de ces tyrans romains. Vitruvius, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Je t'ai cru quand tu as dit que tu veillais sur les gens de Siwa. Mais il y en a à la citadelle qui doivent travailler sur une arme que tu as créée. Ce n'est pas ce que tu crois. Viens avec moi et je t'expliquerai toute l'histoire. Je dois comprendre, Bayek, que je n'ai pas toujours travaillé à des merveilles d'architecture telles que cet aqueduc. Quand j'étais jeune, j'ai inventé de nombreux moyens de tuer et de détruire. L'un d'eux était assez terrible, une sorte de feu grégeois. Feu grégeois? Une substance capable d'infliger de telles souffrances que j'ai fait le serment solennel de ne jamais en produire. Eh bien, le général en produit. Il oblige les gens de Siwa à en armer ses balistes contre leur propre pays.
Maudit soit mon orgueil. J'aurais dû brûler mes notes. Le général Agrippa a dû les trouver. Alors il faut arrêter Agrippa. Fais ce que te dicte ta conscience, Bayek. Mais tu dois comprendre que je ne peux comploter contre un général romain. Et ce, quelles que soient mes inclinations personnelles. Récupère cette formule et je la détruirai. Je refuse d'avoir l'immolation de l'Égypte sur la conscience. Que Jupiter te protège, Bayek. Jamais on me voit ici.
dedans par ici. Devoir être prudent. Ibi ave! Ibi manere! Clames! Cunas! Thank you.
Tous ceux qui s'allient aux monstres et aux démons doivent mourir, général. Ils ont utilisé la formule. Il faut que je détruise les stocks de feu grégeois. Voudra savoir que sa formule est entre de bonnes mains.
Flavius voudra savoir que sa formule est entre de bonnes mains. Bayek, tu l'as trouvé? Tu as trouvé ma formule? L'Égypte ne brûlera pas aujourd'hui. J'espère qu'elle ne brûlera jamais. Et le général Agrippa? Il refusait de me la remettre. Ah, c'était un bon Romain. Il n'a jamais compris qu'être Romain n'empêchait pas d'être un homme bon. Flavius a nourri l'orgueil et l'ambition d'Agrippa avec son fantasme d'empire. Je crains que ses partisans ne sèment la mort et la désolation dans leur sillage. Ce sont eux qui mourront. Et toi, tu es un homme de valeur, Vitruvius. Tes paroles et tes actes le prouvent. Je m'y efforce, mon ami. Merci encore, Bayek de Siwa. Tu demeures l'un des seuls vrais protecteurs de ton peuple. Thank you.